Konbanwa minasan. O genki desu ka? Genki kana? Alors attendez, que je prépare un peu. J'ai oublié de mettre mes lunettes. Mina genki desu ka? Alors, moment de vérité. Est-ce que tout fonctionne? Konbanwa minasan. Genki desu ka? Merci beaucoup Masihime pour ton prime. Les gens, je veux des clap 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 dans le chat. Des clap 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 pour Masihime. Oh, merci beaucoup les nouilles, c'est bon. Merci beaucoup pour ton follow, comment vas-tu? Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel yo koso, bienvenue sur la chaîne. Bon les gens, est-ce que vous avez révisé un petit peu? Dites-moi. Pour la reprise, ça y est, c'est la reprise des cours de grammaire. Alors comme d'habitude, je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Pareil, est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte et est-ce que vous m'entendez assez bien? Daijoubu desu ka? Idril, pas du tout. Moi je viens mais pas du tout en ayant révisé. Et en même temps c'est pas très grave Idril. Ce qu'on va réviser aujourd'hui, on commence sur une leçon en grammaire assez tranquille. Mais en vocabulaire, on va voir les jours. Et les jours... Eh ben, ça va prendre un peu de temps pour les apprendre. Merci, et ça va, et toi? Ben écoute, ça va super, je suis contente de reprendre les lives. Il y avait, comment dire, une petite semaine de pause pour, voilà, pouvoir m'installer. Pour ceux qui n'étaient pas là lundi, dans mon nouvel appartement, avec Ghosto. Un tout petit peu. Alors, ça va, c'est déjà ça. Du coup, les nouilles, comment tu m'as découvert? Dis-moi, d'où viens-tu? Comment tu trouvais la chaîne? J'ai une excuse, je suis en vacances, donc je bosse rien. Ah, c'est vrai. C'est une excuse, valide. Elle est jolie, la table. Et ouais, avec des petits fruits et tout. Arigato! Arigato! Merci, Claricou! Comment ça va? Yahoo, les gens! Je vais des clap 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 dans le chat, des clap 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 pour Claric. Alors sachez tout de même que si aujourd'hui vous lancez un train de hype, il y a une nouveauté sur la chaîne. Et pas une petite nouveauté, genre une grosse nouveauté. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup pour vos subs, c'est trop gentil. Et grâce au serveur, ok, donc tu viens d'Instagram, j'imagine, pour ensuite avoir atterri sur Discord, pour ensuite avoir vu la chaîne Twitch. Très probablement. En tout cas, bienvenue à toi, installe-toi, voilà. Toutes les nouvelles personnes qui suivent la chaîne, prenez vos aises, comme on dit. Vous êtes ici chez vous. Je pégaye dès le début. Ça va être compliqué la reprise, hein. On va y arriver, j'y crois, fort, fort, fort. Ça me fait penser que je n'ai pas du tout baissé le son des alertes. Du coup, il faut absolument que je le fasse, sinon ça va casser les oreilles à tout le monde. Ma foi. Ohayo, coucou Sarcelle 4, comment tu vas? Ah, kyoba, ah, attention Lily, kyoba, suiyobi. Suiyobi desu ne, kyowa. Suiyobi desho. On est mercredi aujourd'hui. Super et tes vacances? Eh bien écoute, très fatigante. Un emménagement, tout ça, c'est un peu fatigant. D'autant plus que là, on n'a toujours pas internet. Là, j'ai un petit boîtier que Orange m'a prêté pour avoir internet le temps qu'il faut. Mais il me reste genre 20 gigas dessus. Donc j'espère que j'aurai assez pour demain, parce que je ne pourrai pas live en 4G. On verra bien, ma foi, ça sera... Si Dieu Orange existe, s'il vous plaît, rajoutez-moi vite mes gigas. Je me croyais mardi. Eh non. Bon, du coup, si tu te croyais mardi, t'es pas en retard, hein, t'es en avance. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours aussi en forme pour apprendre le japonais. Et ça, c'est la meilleure chose. Ah, naruhodo. Arigato. Merci Sorsal 4. Les gens, je veux des clap 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 dans le chat, des clap 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 dans le chat. Alors les gens, je stresse, je stresse beaucoup parce que là ça veut dire que théoriquement je dois faire une des choses de la nouveauté. Et pour ça, il y a un nouvel overlay. Alors attention, attention, je stresse. Voilà, et c'est pas fini, et c'est pas fini. Attendez, je suis pas prête. Mamonaku, densha ga mairimasu. Abunai desu kara, saifu o katazukete kudasai. Hassha suru mae ni, rulette o mawashite kudasai. Sachez les gens qu'il y a une nouvelle commande tout en bas du chat, qui s'appelle la roustache. Je laisse l'un d'entre vous appuyer dessus. je stresse. Mon jeu d'acteur, j'ai pas assez révisé. Ah, je suis morte. Personne n'ose appuyer sur la roustache. Ah, j'allais dire. Alors... Ah la... Ohige-sama desu ne. Non. Non, comment je fais comme ça? Attendez, faut que je la colle bien. Attendez, attendez. Comme ça. Voilà. Les gens, il vous reste 10 secondes pour passer à la suite. Sinon, ce sera bye bye le train. Bye bye le train. C'est dommage, vous n'aurez pas la suite. Mais, ça tisse bien. Ça tisse plutôt pas bien. Très bien plutôt. Yabai dessinait. Yabai dessinait. Là, je suis sûre, il y a des curieux en mode. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Vous le saurez un jour, ou peut-être pas. Merci beaucoup, Fariwe. Merci pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. On reprend le overlay normal. Bon. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, un peu de grammaire. On va reprendre quelques points aujourd'hui. Et il y avait 2 roustaches. Ah. Il faut que je règle ce problème. J'avais pas fait attention. Je rembourserai l'un des 2. Donc aujourd'hui, on part sur de la grammaire. Et pour le plan, voilà ce que l'on va travailler. Donc comme je vous l'ai dit, sans transition bien évidemment. On va travailler ici la particule ni et on va également travailler la date en priorité aujourd'hui. C'est sur ça qu'on va s'exercer le plus. Elle ne m'avait pas vue, évidemment que je t'ai vue, Maïe. Je te vois quand tu es là. On va travailler et on va aussi faire beaucoup d'exercices parce que comme il y avait peu de points de grammaire, eh bien j'ai décidé de faire des petits exercices récapitulatifs de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, notamment sur les particules qui vont avec les verbes de déplacement. Et comme d'habitude, à la fin du cours, eh bien, on verra 5 nouveaux kanji que vous pouvez voir juste ici. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, sur le serveur Discord, il y a les petites fiches kanji que vous pouvez imprimer pour travailler en même temps que je vous explique un petit peu comment utiliser ces kanji, les mots de vocabulaire et tout le tralala de d'habitude. D'accord? Alors, je suis en train de me dire qu'on n'entend presque pas la musique de fond. En effet, les nouilles, si tu connais les kanas, alors tu peux suivre sans trop de problèmes ce cours. À savoir que dans tous les cas, eh bien, je lis les phrases, que j'explique les phrases. Donc même si tu n'as pas encore beaucoup de connaissances, tu es le bienvenu et tu as aussi et c'est même vivement recommandé le droit de poser des questions. Donc n'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas. Hop. Bon. On m'entend bien, ça va? Au niveau du réseau, c'est OK? Des fois, je vois mon OBS, il est en rouge. Ça me fait un peu peur, mais je me dis, si vous dites rien, c'est que c'est OK? Non? J'imagine. J'imagine, j'imagine. Hop. OK, OK, OK. Parfait, parfait. Alors, attendez. Je vais vous faire patienter. Il faut que je fasse une story pour Instagram. Vous allez me haïr. Mais c'est pas grave, moi je vous aime. C'est le principal. Oh, merci Lily. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Bon, je vous l'arrête à la fin. Sinon vous allez vraiment tous partir. Ah oui, quand même, un minimum. Hop. Une petite story pour faire venir les gens qui ont oublié parce que c'est la reprise. Hop. Voilà. Allez, go lâcher des likes sur la story. Ah, mais et les gens, j'ai vu ça. J'ai vu qu'on pouvait mettre des likes. Alors, je sais pas trop l'utilité. Ah, coucou Julien, comment tu vas? C'est gentil d'être passé. Genki? Ah, mais oui, Sarcelle 4, évidemment. Ah là là, mais oui. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, tous les messages à droite, à gauche, c'est OK. Bon, je pense que du coup, on sera un peu moins que d'habitude, mais c'est pas grave. Ça fait une classe un petit peu plus cosy. Vous pouvez poser plus de questions encore. C'est pas plus mal. Oh non, les nouilles, non, tu viens d'arriver. Non, reste parmi nous. Bah écoute, j'espère qu'on te reverra prochainement sur ce chat. Passez une très bonne soirée. En tout cas, merci d'avoir follow. Ouh, je bégaye. Merci d'avoir follow la chaîne. Merci d'avoir papoté avec nous. Et puis, ben, à la prochaine, je l'espère. Bonne soirée à toi. Ah, coucou Black Moon, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Genki, genki kana. Bon, en tout cas, je pense que Tēburu-kun. La table, on l'appellera Tēburu-kun, d'accord? Parce qu'elle sera toujours avec nous maintenant. Donc on va l'humaniser un petit peu. Tēburu-kun, genki. Genki. Allez, bon cours et à la prochaine. Bonne soirée. Arigato. Bonne soirée à toi aussi, du coup. Et merci d'être passé. Non, non, c'est pas fini. On va seulement commencer. On va commencer. Tēburu-kun. Tēburu. Tēburu. Tēburu-kun desu ne. Tēburu-kun. Genki. Du coup, on va faire pop une émote table. Et à chaque fois, on dira Tēburu-kun, genki desu ka? Ah, yeah, yeah, yeah. Je disais au revoir à ceux qui malheureusement ne peuvent pas rester. Nouveau rituel. On dit Naruto et quand on voit la table, on dit genki desu ka? On fait déjà des bêtises à la reprise, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'on a bien bavardé hein, déjà. Je pense qu'il est grand temps de commencer ce nouveau cours de grammaire avec la particule ni. Mettez-moi des clap 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 dans le chat si vous êtes prêts. Est-ce que vous avez tous de quoi écrire? Est-ce que vous avez peut-être votre petit plaid, une petite boisson? Moi, ça me fait penser que je n'ai rien. Attendez, je vais chercher à boire. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Et à part Mayu, tout le monde est OK. Mayu-san, mon boisson prête, chips d'algue prête, je t'écoute, sensei. Oh, Iné, mon petit thé vert est prêt, j'ai mon calepin, c'est bon. J'ai un peu pour les élèves passage. Mayu, fouette-toi, s'il te plaît. C'est pas possible. Maïe-dide. Allez, ikimashou. Benkyou shimashou. Donc, on reprend. Ici, on va voir la particule ni qui va exprimer le temps. Souvenez-vous, hein, il y a 2-3 semaines, on a vu une particule ni, mais cette particule, elle permettait eh bien, de parler du lieu. Je vais par exemple à Tokyo, Tokyo e ikimasu, Tokyo ni ikimasu. D'accord ? Cette fois-ci, eh bien, on vous apprend que la particule ni, c'est une particule qui permet aussi eh bien, de parler du temps. Et pas de n'importe quel temps, c'est généralement un temps qui contient une chiffre. Maïe, ces mots me font bugger. Qui contient un chiffre. C'est le cas des dates, des heures et tout ce genre de temps chiffré hein, de manière générale. Et en petite exception de cette règle, on a les jours de la semaine qui, pareil, vont être marqués par la particule ni. Donc vous aurez un temps, généralement chiffré, sauf pour les jours de la semaine, à savoir de lundi à dimanche, hein, une particule ni et un verbe à la fin. Et donc ici, du coup, vous avez une première phrase. Raishu kunie ikimasu. Alors, ici, que veut dire cette phrase? On reprend les bonnes habitudes, c'est à vous de réfléchir et d'essayer de traduire cette phrase. Raishu kuni e ikimasu. Niveau vocabulaire. Raishu, hein, si vous regardez les kanji, notamment le premier qu'on a déjà travaillé, c'est le kanji de venir. Et donc raishu, hein, c'est le mot pour la semaine prochaine. Avec ici un autre mot de vocabulaire, c'est le mot kuni. Kuni. Raishu, la semaine prochaine. Attention, hein. Raishu, la semaine prochaine. Et kuni, c'est le pays. Donc, raishu kuni e ikimasu, qu'est-ce que ça va donner? Dites-moi tout. Je laisse encore un peu de temps pour ceux qui veulent tenter une traduction dans le chat. Justement, je vais y venir tout de suite, Mayu, ne t'inquiète pas. D'autant plus que toi, tu connais la réponse. En effet, hein, ici, on traduira par Raishu, la semaine prochaine, hein, je rentre chez moi, kuni et ikimasu. Et comme le stipule Mayu, pourquoi ici on n'a pas de particule ni? Eh bien parce que tous les temps qui ne seront pas chiffrés, eh bien ne seront pas vraiment marqués par une particule. Soit on ne mettra rien, ou une virgule, soit il est également accepté qu'on utilise la particule de thème, la particule wa. Autrement dit, cette phrase, elle peut se dire Raishu wa kuni e ikimasu. Raishu wa kuni e ikimasu. Ou raishu kuni e ikimasu. Mais il est interdit, c'est incorrect de dire raishu ni. Parce que dans raishu, bah, vous ne voyez pas de chiffres. Donc, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je l'ai mis dès le début pour refaire un gros warning. Faites attention, le temps qui n'est pas chiffré, on le marque soit par rien, soit par la particule de thème. On passe à l'exemple numéro 2. 2月9日に学校へ行きます. 2月9日に学校へ行きます. Alors, uchi, c'est aussi sa maison. Mais quand on dit kuni et kaeru, ça veut dire qu'on rentre dans son pays, du coup qu'on rentre chez soi. C'est une traduction possible. Très bien tout le monde. Ici on a une date, hein. Si vous vous souvenez, la date en japonais ça commence par le mois, puis après seulement c'est le jour, mais on va retravailler ça aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Nigatsu c'est le deuxième mois, février, et Kokonoka le neuvième jour. Donc je vais à l'école le 9 février. Gakko c'est l'école, et encore une fois on a le verbe aller. Iku, ikimasu. La troisième phrase, ici c'est une question. Itsu ikimasu ka? Itsu ikimasu ka? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Ici, hein, on a un mot interrogatif, c'est le mot Itsu, qui veut dire quand. Et donc très bien tout le monde pour ceux qui ont proposé une traduction. Hein. Itsu ikimasu ka, quand y vas-tu? Quand y vas-tu? Ici, quand viens-tu, c'est pas vraiment correct parce que ce serait plutôt avec le verbe kuru. Hein. Itsu ikimasu ka. Mam, shoganai ne, Maya-san, shoganai. Donc ici, on a le verbe aller, hein, donc privilégier une traduction avec le verbe aller, plutôt que le verbe venir qui se dira kuru kimasu en japonais. Itsu kimasu ka, itsu ikimasu ka, c'est pas vraiment la même chose. Et vous savez que j'aime bien chipoter. Mais bon, grammaticalement vous avez compris, donc c'est très bien, très très bien. Est-ce que c'est ok pour vous cette particule? Donc on récapitule. Si vous avez un temps qui contient un chiffre ou les jours de la semaine, vous utilisez la particule ni pour marquer ce temps. Par contre, si votre temps n'est pas chiffré, comme la semaine dernière, comme cette année, vous ne mettez pas de particule. Et ici, on a le mot interrogatif pour le temps, hein, c'est Itsu qui veut dire quand. Ah, Dika-san! Bonjour! Comment va ma crush? Ton live s'est bien passé? Tu as bien travaillé? Tu as réussi à mettre ton étiquette? N'hésitez pas. Alors, pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient là lundi, l'atelier Dika-sama nous a fait un magnifique raid. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir. Elle fait de la couture, elle est adorable. C'est un amour, je l'aime. Donnez-lui du soutien, voilà. Comme ça, de l'amour comme ça. Ah les gens, c'est le moment. Dans les émotes, il y a une émote avec un cœur marqué labou-labou. C'est le moment d'utiliser labou-labou, labou-labou, labou-labou. Utilisez-moi ces émotes qui bougent. On en a enfin. Attendez, il faudrait que je me fasse une commande de ça. Je ne les ai pas encore. Regardez-moi ces émotes. Elles sont magnifiques. Mais oui, trop kiki. Mais oui. Et Maïe, c'est vrai que Maïe, lui, être suprême, donneur de beats. Oh Maïe-sama, oh Maïe-sama. Sumimasen, shutsurei shimashita ne. Coucou Kami-kun, konbawa, comment tu vas? Genki? Genki desu ka? Du coup, qui dit explication, je recommence. Qui dit explication grammaticale dit exercice. Et ici, on va s'exercer avec justement les fameux temps. On a ici une question à poser. Hein, c'est Itsu, nani nani et ikimasu ka. Quand vas-tu à cet endroit? Tu veux des cœurs? Oh oui, je veux des cœurs. Des laboulabou. Genki da yo. Ah yokatta, yokatta. Et donc, ici on a un premier lieu, à savoir Sakura Daigaku. Et donc je vous pose la question, Itsu Sakura Daigaku e ikimasu ka? quand allez-vous à l'université Sakura? Et avec ce qu'on vient de voir, c'est à vous de me répondre avec ici la date. Comment vous me diriez, j'y vais le 14 septembre. Itsu Sakura Daegaku e ikimasu ka? Itsu Sakura Daegaku e ikimasu ka? Qu'est-ce que ça peut donner? À savoir ici que donc on est sur du Kugatsu, hein, le 9e mois, Kugatsu, et pour le 14, on dira du Yokka, du Yokka. Itsu Sakura Daegaku e ikimasu ka? Alors je vous montre un exemple pour la première, hein. Ici par exemple, on pourrait dire Kugatsu. Oh, trop chou Bayeux. Majide. Waouh. Et moi dit Pai. Kawaii. Très cute. Je valide Bayeux. Donc ici, Kugatsu Juyokka ni Sakura Daegaku e ikimasu. Je vais à l'université Sakura le 14 septembre. Ici, Sakura Daegaku e, c'est pas obligatoire. Vous pouvez retirer cette partie-là et juste mettre Kugatsu Juyokka ni ikimasu. Je te laisse petit crush, je rentre chez moi, du coup des bisous, rentre bien, fais attention. Kyotsukete ne et cœur sur toi, cœur sur toi. Alors Calinours, t'as pas raté grand-chose. On a vu la particule ni qui permettait d'introduire un temps qui contient un chiffre. Par exemple, là on a la phrase hein, j'y vais telle date, Kugatsu Juyokka ni ikimasu. Par contre, cette particule-là, et là faites bien attention tout le monde, on ne l'utilise pas quand le temps ne contient pas de chiffres. Par exemple, aujourd'hui, la semaine prochaine, dans 2 ans. Ah non, dans 2 ans, du coup, il y a 2, donc j'ai rien dit. Alors ici, il vaut mieux pardon, répondre avec ikimasu parce que ta question, c'est itsu ikimasu ka, tu vas quand? Tu vas dans ce lieu quand? Donc là, il vaut mieux utiliser le verbe. Et un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous avez une question, de rester le plus proche possible de la question en japonais quand vous voulez faire une réponse. D'utiliser la même structure quand c'est possible, bien évidemment. Alors, la phrase numéro 2. Ici, autre question. Itsu Amerika e ikimasu ka? Quand allez-vous aux États-Unis? Là, il faut me répondre. Je vais aux États-Unis. Et donc là, on a Lainen. Lainen, hein, du coup, cette fois-ci, c'est l'année prochaine. Et Sangatsu, janvier, février, mars. Donc en mars de l'année prochaine. C'est à vous de jouer. Comment vous me diriez en japonais? J'y vais en mars de l'année prochaine. Comment on dirait ça en japonais? Presque parfait, Sorsal 4. Attention, hein. Lainen no et pas Lainen o. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent tenter? Je laisse un petit peu de temps. Oui, c'est ça, exactement. Il faut faire attention quand on tape sur clavier. So dessiné. Très bien, tout le monde. Laenen no sangatsu ni. Ici, pour ceux qui l'ont oublié, faites attention. Hein. Sangatsu, on a un 3. Hein. C'est un chiffre. Même si on a lainen. D'accord? Tant qu'il y a un chiffre, il faut mettre ni. Amerika e ikimasu, encore une fois, Amerika, On n'est pas forcément obligé de le dire. On peut juste dire « Laine no sangatsu ni ikimasu ». J'y vais en mars de l'année prochaine. Ça va pour tout le monde pour le moment? On continue? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous. Sinon, n'hésitez pas, je vous encourage encore à poser des questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas, on est sur Twitch. Profitez-en, profitez-en. Ça marche. La troisième. Alors, une autre question. Itsu, byoin e ikimasu ka? Quand allez-vous à l'hôpital? Et là, il faut me répondre que vous y allez mercredi prochain. En japonais, konshuno, pardon, ce mercredi. Konshuno suiyobi. Ah, ne t'inquiète pas, Lily. Si tu comprends, alors ça va. Après, c'est vrai que le clavier, c'est pas toujours évident. Peut-on remplacer et par ni? Par exemple, Lainen no sangatsu ni Amerika ni ikimasu, c'est possible. Et va quand même rajouter cette idée que les États-Unis c'est grand. Hein. Donc quand on va dans un pays, on va tout de même privilégier la particule « et », dans le sens où on va vers ce pays. Mais « ni » n'est pas une erreur en soi. C'est souvent interchangeable. Hein. Pour ceux qui se posent la question, on peut souvent mettre « ni » à la place de « et ». Ah. Attention les gens, réfléchissez bien à tout ce qu'on a dit sur cette particule de ni. Hein. Et souvenez-vous du rôle qu'a la particule et. C'est quoi comme particule, la particule et, justement? Si vous vous souvenez de ça, vous ne ferez pas l'erreur. Je vous laisse encore un petit peu de temps, j'en profite pour boire. Exactement, Masihime. La particule E, c'est une particule de déplacement, de direction, ce qui veut dire que devant elle, on doit avoir un lieu et pas une date. C'est pas possible de mettre une date devant E. Alors du coup, j'ai vu, je crois, une personne qui a bon. Une seule, parmi vous tous. Et du coup, Lily, très bonne remarque. La particule « et », on peut la mettre si devant, il y a le mot « hôpital hein, », vu que c'est un lieu. Et donc ici, pour la réponse, hein, « Konsunoshi-obi ni ». Alors, il y a plusieurs. J'ai pas fait attention si vous avez mis le « ni » ou pas. Si vous l'avez mis, alors c'est correct. « Konsunoshi-obi ni ». Byoin et ikimasu. Encore une fois, byoin et est facultatif. Mais vous ne pouvez pas dire konchu no suiyobi et ikimasu. D'accord? Je refais une petite aparté. Hein. Quand on a un lieu, la particule qui suit le lieu, quand on a un déplacement, c'est soit la particule et, soit la particule ni. Généralement, on verra la particule ni en priorité, en majorité tout du moins. La particule et, elle permet surtout de montrer un déplacement, on se dirige vers un endroit, ou encore quand on va justement dans des espaces assez grands, peu définis, comme des pays. J'ai eu peur. Et je vois pas mes notifs, mais du coup, merci Angel, je crois. Ah non, attendez. J'ai eu tellement peur. En plus, tout le monde a eu peur, je crois. Matinée. Merci beaucoup. Merci. Arigato. Comment tu vas, Angel? Mais si on met pas hôpital, pourquoi on met ni? Puisqu'il n'y a pas de chiffre dans la date. Alors, Kamikun, faut bien faire attention. La seule exception à cette règle, ce sont les jours de la semaine. On dit suiyobini, mais on dit kyō wa et pas kyō ni. Genki desu. Ah, yokatta, yokatta. Ah, coucou Kiki-san. T'inquiète, les sub-tier 3, ils n'ont pas besoin de mots d'excuses. Donc ici, je répète, suiyobi, c'est un jour de la semaine. Donc ça marche. Par contre, le reste, ça ne marche pas avec la particule. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous faire avoir. Hein. Faites-vous avoir maintenant, comme ça vous ne ferez plus avoir après. Calinours. Écoute, moi, ça me dérange pas qu'ils viennent faire un peu le bazar. Surtout qu'ils s'est pardonné avec un petit ton derrière. Ma foi, ma foi. On continue. Ici, quatrième question. Itsu Hiroshima e ikimasu ka? Quand allez-vous à Hiroshima? Et là, vous devez essayer de me répondre. J'y vais le mois prochain. Laegetsu. Ah, yokata Angel. Bon, ça va alors. C'est ça. Je pense que c'est la même chose, Bayeux. Du coup, les gens, on reprend. Itsu Hiroshima e ikimasu ka? Quand allez-vous à Hiroshima? Et il faut me répondre, j'y vais le mois prochain. Ah, un sort dessiné, Maïe. Un jour, un jour. Un jour peut-être, je l'espère. Alors, comment vous me diriez, j'y vais le mois prochain? Très bien, tout le monde. Je vois que c'est beaucoup plus clair maintenant. Ça clash dans le chat entre frères et sœurs. Baston, baston. Moi, je mise sur Calinours. Sauf si on me sous-doit. Exactement, Mayu, du coup. C'est l'île étendue. Donc ici, la réponse, hein. Laegetsu, on ne met rien, il n'y a pas de chiffre, rien du tout. Hiroshima et ikimasu. T'inquiète pas, Zazu, bientôt tu ne te feras plus avoir. Promis. Calinours, je crois en toi. Ne m'abandonne pas comme ça. J'ai rien misé, mais j'ai misé quand même. On passe à la dernière, je crois. Ah bah non, bah c'est bon, c'est fini. Donc, à retenir, ni pour le temps. Ça marche avec le temps chiffré et les jours de la semaine. Pour les autres temps qui ne sont pas chiffrés, soit on ne met rien, ou une virgule, hein, pour moi c'est la même chose, c'est ne rien mettre, soit on peut mettre la particule de thème, tout à fait Black Moon. Hein. Mettre laishu, laegetsu wa, ça marche, c'est correct. En ce qui concerne le mois prochain, Hiroshima et ikimasu. Je vais à Hiroshima. Ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair sur ce point-là? Daijoubu desu ka? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous. Ok, ça va pour Geo-san, Deo-san, Black Moon, Claricou, Sarcelle 4. Les autres silencieux, j'imagine que ça va. Kamikun aussi. Bon, très bien, très très bien. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'était les vacances. Du coup, on va faire un peu de révision de ce qu'on avait vu avant. Hein. Un petit peu quand même, hein, des particules. On a grandement besoin, je pense. Ça fait toujours de bien de rafraîchir la mémoire. Alors, Black Moon, je dois checker... Attends. Elle est où le planning? Je vais te dire ça. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, c'est pas la semaine prochaine, c'est celle encore après. Donc, on fait encore une semaine de cours et après sera la semaine d'examen. Du coup, Angel, à la limite, n'hésite pas à m'envoyer un MP sur Discord. Comme ça, s'il y a besoin d'explications, je pourrais prendre le temps de te dire de quoi il s'agit. Quel sondage? Ah! Eh, s'il y a baston, on filme. Ah ouais, mais en même temps, Calinours, elle est connue de tout le monde. Angel, il peut pas avoir sa chance, c'est pas... Du coup, Angel... Pose-la maintenant. Si je vois que ça prend du temps, on leur répondra à la fin. Et sinon, on y répond maintenant, le temps de faire une pause entre les révisions et... Dis-nous tout, hein, dis-le. Quoi qu'il en soit, ici, les révisions, elles se font sur la plupart des particules qui vont utiliser un verbe de déplacement. Donc, et, ni, on a aussi vu du moyen, il me semble, ou ce genre de choses. Du coup, Angel, oui, AN, c'est le terme que j'utiliserai aussi. Du coup, c'est Calinours qui win avec cette vote. Calinours, on compte sur toi. Alors du coup, Angel, malheureusement, à cause du fonctionnement des condis, c'est pas possible de juste dire hey. Hey, ça veut rien dire du coup. Et à ma connaissance, il n'y a pas de raccourci pour ce mot-là. Autant il y en a parfois, ça existe. Là, pour moi, ça n'existe pas, malheureusement. Coucou Barma, comment tu vas? Konnichiwa. Ah, ben, konbawa. Bon, du coup, ici, même type d'exercice. Hein. Quand est-ce que tu vas à tel endroit? J'y vais, telle date. Et donc là, première question. Itsu Nihon e kimashita ka? Quand es-tu venu au Japon? Faites attention au temps de la phrase. Et il faut me répondre, je suis venu kyonen, l'année dernière. Là, ça va vous faire retravailler la conjugaison des verbes. Hein. Comment vous me direz en japonais, je suis venu l'année dernière? Dou desu ka, dou desu ka. Après, du coup, Angel, tout dépendra du kanji qui lui a été donné. Juste, la prononciation ne peut pas aider à savoir le sens, malheureusement. Ou alors, il faut un contexte. Vu ton contexte, c'est fort probable, mais pas sûr à 100%. Et ouais, je sais, Maïe, malheureusement, l'année dernière, on était confinés, du coup, c'est faux. Je laisse réfléchir un peu d'autres personnes, s'ils veulent proposer une phrase. Je suis venue l'année dernière. De rien, avec plaisir. Donc je vous montre la réponse. Kyonen Kimashita. Là, vous avez l'air de pas vous être fait avoir, sauf Zazu. Zazu. On a dit quoi? Est-ce qu'il y a un chiffre? Du coup, tu peux pas. Ici, un Kyonen ou Kyonen wa. Ça, c'est OK aussi. Hein, Kyonen wa Kimashita. Kyonen Kimashita. J'y suis allée l'année dernière. D'accord? Et si tu veux utiliser la particule « et », Zazu, il faut mettre un lieu. Et dans ce cas-là, mettre « Kyonen Nihon e Kimashita ». Kyonen e Kimashita. Nihon e Kimashita, pardon. Kyonen wa ou Kyonen Nihon e Kimashita. Je suis venue au Japon l'année dernière. La phrase numéro 2. Alors là, vous vous souvenez de la particule d'accompagnement? Ici, la question « Dare to Nihon e kimashita ka ?» Avec qui es-tu venu au Japon? Il faut me répondre « Je suis allé au Japon tout seul. » Hitoride. Et là, il y a attention, hein. Faites attention, réfléchissez avant de répondre. Mamotsan, konbawa, comment tu vas? Genki desu ka? T'as pas rapporté à la question? Oui. Dare to Nihon e kimashita ka? Avec qui êtes-vous allé? Avec qui êtes-vous venu au Japon? Et il faut me répondre, je suis venu seul. Hitoride, tout seul. Mais t'inquiète pas, Zazu, avec la pratique, ça va devenir naturel. Je suis venue tout seul au Japon. Je suis venue tout seul. Je laisse encore un petit peu de temps. Alors là, marmotte, YouTube est ton ami? Alors, je vous montre la réponse ici. Hitori de kimashita. Ou encore, hitori de nihon e kimashita, pardon. Hitori de, hein, ça sera la particule de moyen. Au moyen de moi-même. Hitori de, tout seul. J'y suis allée. Kimashita. Il n'y a pas de hitori de to, hein, ici, pas de particule to, ça n'existe pas. Quand on parle de personne, on dit donc tout seul hitori de, à deux futari de, à trois sannin de, on utilisera toujours la particule de. Alors que si on dit je viens avec ma sœur, ma petite sœur par exemple, on dira imoto to kimasu. Je suis venue avec ma petite sœur. Imoto to kimashita. Donc là, ne vous faites pas avoir. Dès qu'on a des personnes, qu'on compte un nombre de personnes, une personne, deux personnes, trois personnes, etc., on dira le compteur plus la particule D qui était indiquée ici notamment. La phrase suivante. Itsu kune kaerimashita ka? Quand rentres-tu chez toi? Quand rentres-tu dans ton pays? Itsu kune kaerimasu ka? Et il faut me répondre, je rentre l'année prochaine. Comment dire ça en japonais? Très bien expliqué, Mayu. 100 points. Alors attention, faites attention au verbe qui est utilisé. Ici, c'est le verbe kaerimasu, kaeru. C'est un godan, c'est le verbe rentrer. Rentrer chez soi, notamment. Il faut croire que j'ai une bonne prof. On se demande qui c'est. Itsukuni e kaerimasu ka? Et la réponse attendue est je rentre l'année prochaine. N'hésitez pas à retenter. Très bien. Lainen kaerimasu. Encore une fois, ici, ne vous faites pas avoir. Lainen n'est pas un temps chiffré, donc on ne met pas de particules de temps en ni. Vous auriez pu dire lainen wa kaerimasu. C'était possible. Un peu moins naturel, mais possible. Ou encore dire lainen kuni e kaerimasu, et du coup redire encore une fois le lieu. Ce qui est encore une fois facultatif, parce que du coup, le japonais, ça ne les dérange pas de se répéter. Et en même temps, quand le contexte est évident, alors ils ne le répètent pas. Très bien tout le monde. La numéro 4. Alors, ici la question. Senchu no doyobi, doko e ikimashita ka? Donc, le samedi de la semaine dernière, où êtes-vous allé? À savoir, ici, normalement, on aurait pu dire Senchu no doyobi ni doko e ikimashita ka, c'est possible aussi, normalement. Et là, il faut me répondre une phrase avec dokomo. Est-ce que vous savez le sens de dokomo? Je vais vous faire travailler un petit peu sur le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est dokomo? Dokomo, ça veut dire nulle part. Et faites attention, ici, donc en français, on attend une phrase du style « je suis allé nulle part ». Dokomo s'utilise toujours avec une forme négative, ce qui veut dire que la phrase que vous allez me proposer doit être conjuguée au passé négatif. À vous de jouer. Comment vous me diriez « je suis allé nulle part ». Un peu plus compliqué celle-là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de conjuguer les verbes. Bah écoute Saïma, j'y penserai. Comment tu vas, Genki? Ça fait plaisir de voir mes modos sur le chat. Très bien Sunlight. Ah, otsukaresama Saïma, t'as fini ta journée? Donc ici, je répète, on attend en japonais une phrase qui a pour sens « je suis allé nulle part ». Donc « nulle part » dokomo, et le verbe « aller », c'est le verbe « iku » qu'il faut conjuguer au passé négatif. Je laisse encore un peu de temps pour ceux qui veulent tenter. Ah, naruhodo seima. Ja, otsukaresama desu ne. Attends, tu mérites. Otsukaresama. Otsukaresama. Ah ah! Telle est la question, Black Moon. Ici, dokomo, en fait, a déjà sa particule. Parce que c'est doko plus mo. Et donc, généralement, je ne sais pas si c'est une règle absolue, mais il me semble que l'on ne met pas de particules. On dit dokomo ikimasen. Doko e mo ikimasen, est-ce que ça se dit? Je réfléchis. J'ai un doute. Doko e mo. Peut-être doko e mo plutôt. Plutôt que doko mo e. Doko e mo. Doko e mo ikimasen. Ça peut être correct. Merci beaucoup Harry Player pour ton follow. Followしてくれてありがとうございます. Bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas à me faire un petit coucou dans le chat, nous dire que tu existes. Oh oui, cette personne existe. Comment as-tu trouvé la chaîne? Est-ce que tu t'intéresses à l'apprentissage du japonais peut-être? On est d'accord, hein, Saïma Dokomoe, ça ne me parle pas. Par contre, Dokoemo, là ça me parle un peu plus. Nanimo shimasen. Nanimo shimasen. Il n'y a pas de particules non plus. Daremo imasen. J'y suis. Il n'y a personne. Par contre, il faut faire attention pour daremo. Daremo kimasen. Daremo imasen. Non, il n'y a pas de particules. Avec ni nanimo ni daremo. On passe à la suite. Dernière phrase. Kyo, nanji ni koko e kimashita ka? À quelle heure es-tu venu aujourd'hui? Et il faut répondre, je suis venu à 9h. Qu'est-ce que ça va donner ça en japonais? Comment vous me diriez ça? 9h du matin ou de l'après-midi. En tout cas, si vous le stipulez l'un ou l'autre, c'est accepté. Quelle heure êtes-vous venu aujourd'hui? On est venu à 9h. Maïe. C'est très bien tout le monde, je vois que vous avez bien compris comment ça marchait. Pas trop compliqué ces révisions? Je vous montre la réponse. Kuji ni kimashita. Je suis venu à 9h. On est venu à 9h. Ici, encore une fois, kuji, vous avez un chiffre. Donc vous pouvez mettre la particule ni. Et vous devez même la mettre. C'est pas vous pouvez, mais vous devez. Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous avec cet exercice de révision. Un peu. Ça la fouille les souvenirs. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut se réviser de temps en temps. Et la semaine de vacances, évidemment, n'aide pas non plus, hein, qu'on soit d'accord. Oh oui, Zazu. Alors oui, t'as utilisé une émote qui bouge, mais elle pleure. C'est bien. Ah. Elle est super ta chaîne. J'avais vu une rediff sur ta chaîne YouTube. Je suis plus loin dans le Milan Onirango, mais ça permet de réviser. Ah, bah écoute, bah je suis très contente. Merci à toi du coup d'avoir suivi la chaîne Twitch, ça fait super plaisir. Et bienvenue à toi Venu 7to. Venu 7to-san, follow shite kurete, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup d'avoir follow cette chaîne et bienvenue à toi. Comment vas-tu? Bon, ça a l'air d'aller. Du coup, on n'a pas fini, mince alors. On continue les révisions vu que ça va. J'étais persuadée qu'il y en avait que 5. Soit, on continue. Question suivante. Dare to koko e kimashita ka? Avec qui êtes-vous venu ici? Et là, il faut répondre. Je suis venu. On est venu. Non, pardon. Je suis venu avec Monsieur Sato. Comment vous me diriez ça? Sensei, votre sensei, elle vous fait des farces. Mais elle se fait des farces à elle-même, c'est ça que vous comprenez pas. Comment dire? Ah, daijoubu desu, genki desu ka? Ah, ja, Venu 7to wa nihongo ga dekimasu ka? c'est Mayu. Je devrais mettre une petite flèche en mode quand il y en a d'autres. Saïma. Ta réaction était très drôle. Bon, ici, pas trop de difficultés normalement. On a un taux d'accompagnement avec quelqu'un. Ici, je vais quelque part avec Monsieur Sato-san, ce qui nous donne Sato-san to kimashita. Je suis venu avec Monsieur Sato. Je suis venu avec, c'est la particule taux d'accompagnement, Sato-san. La 7e, je sais pas quand ça s'arrête, hein, j'ouvre rien, je sais plus. Nande uchi kaerimasu ka. À l'aide de quoi, avec quel transport, hein, ici, rentrez-vous chez vous? Et on attend comme réponse, je rentre en bus. Qu'est-ce que ça va donner? Je rentre en bus. Très bien tout le monde. Ici, ça vous rappelle comment on utilise le moyen. À l'aide de quoi? C'est avec la particule D. Et là, on va rentrer chez soi, qui est un déplacement, hein, kaerimasu, mais avec un bus qui se dit basse D, kaerimasu. Je rentre en bus. Sans dessiner Sunlight. Très belle autocorrection, c'est très bien. Du coup, vous pouvez dire Sato-san to ishoni. Sato-san to ishoni. Ishoni, hein, c'est cette idée de tous ensemble. Ça, souvent, ça met l'accent sur le fait qu'on est plusieurs. Hein. Sato-san to ishoni. Que vraiment, on l'a fait à deux. Ça va accentuer cette idée que l'action est faite ensemble. C'est déjà le cas avec To, mais avec Ishoni, c'est encore plus. La numéro 8, décidément, il n'y a pas de fin à ces révisions. Kino, nanji ni uchi kaerimashita ka. À quelle heure êtes-vous rentré hier? Et il faut me dire, je suis rentrée à 7 heures. Je suis rentrée à 7 heures. Attention, utilisez toujours les bons verbes. Ici, c'est le verbe kaerimasu, kaerimashita. Encore une fois, quand vous avez une question et que vous avez la possibilité de faire plus ou moins un copier-coller, hein, faites-le. C'est ce qui est recommandé. Oui, je suis pas un ange. Sur ce coup-là. Mais c'est bien, il faut que vous pratiquiez. C'était les vacances, hein. Vous avez une semaine de vacances quand même, hein. C'était gentil, ça. J'aurais pu prendre la 4G. Non, évidemment non. C'est très bien tout le monde en tout cas. Vous faites du très bon travail. Ouais, des fausses vacances. Un moment où il n'y avait pas Internet. On va reformuler. Du coup ici, Shichiji ni kaerimashita. Je suis rentrée à 7 heures. Ça peut être grosen ou gogo, hein, le matin ou l'après-midi, en tout cas AM ou PM. Shichiji ni On est sur un temps chiffré, vous l'aurez compris maintenant. Donc on met la particule ni du temps. Est-ce qu'il y en a encore un? Roulement de tambour. Non. C'est le moment. Mettez-vous des clap, clap, clap pour ces exercices. Ça méritait, largement mérité. Je sais plus où j'ai mis mes clap, clap. Ils sont là, les clap, clap, clap. Vous avez fait du très bon travail en grammaire, les gens. C'est pas fini, mais on a déjà fait une bonne partie du cours d'aujourd'hui. Bien joué tout le monde. Est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on a fait, sur cette particule de temps, sur la construction un petit peu de ces phrases, le déplacement, etc. Est-ce que ça va pour vous ? Pas de questions ? Ok. Bon, ici, niveau vocabulaire, hein. Kyo, aujourd'hui. Senshu, la semaine dernière. Laishu, la semaine prochaine. Lainen, l'année prochaine. Basu, c'est le bus. Kuni, le pays. Gakko, l'école. Byoin, l'hôpital. Et on a vu pas mal de mots interrogatifs. Itsu, qui veut dire quand. Dare, qui veut dire qui. Doko, pour où. Nanu, nani, hein, qui veut dire quoi. Nanji, quelle heure. Et on a également vu dokomo avec une négation qui veut dire nulle part. Yaba-san janai no. Mo. On fait aller. Gambatte, Zazu-san, gambatte. Et donc du coup, on arrive sur la partie vocabulaire. Aujourd'hui, on va travailler les dates et sachez qu'à chaque fois qu'on fera un cours à partir d'aujourd'hui, la première question que je vais vous poser, c'est la date du jour. Donc n'hésitez pas, pour les plus malins d'entre vous, à réfléchir avant le live à la date à laquelle on fait le live, pour donner la bonne réponse dès le début du live. Merci beaucoup SNO340 pour ton follow. Follow shikurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel et yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? N'hésite pas à nous faire un petit coucou dans le chat si tu n'es pas un robot. Comment va Tēburu-kun? Tēburu-kun, genki? Genki da sou desu. Elle a l'air en forme. Ma Tēburu-kun wa Tēburu-kun no shigoto o shite imasu. Je viens de te dire que Tēburu-kun faisait son boulot de table. Toyukoto de genki da sou desu, ce qui veut dire que bah, elle a l'air en forme du coup. Non, je suis bien un humain, pas un robot. Ah, yokata desu. Bah oui, mais je suis obligée de poser la question. À chaque fois, on a des follow et les gens ils parlent pas. Du coup, je me dis, je fais peur. Mais faut pas avoir peur de Tēburu-kun. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver un petit PNG là, avec des petits yeux et une bouche, et je vais le mettre sur la table. Tēburu-kun, nade nade Tēburu-kun. Donc, à partir d'aujourd'hui, on révisera à chaque début de live la date, et pas les jours de la semaine, parce que ça on l'a déjà fait, hein. Et en effet, Lily-san, kyo wa suiyobi desu. Aujourd'hui, on est bien mercredi, mais les jours chiffrés, donc le 1er janvier, le 2 février, etc. etc. Tu fais peur qu'un dit, mais moins que moi. Mais. Donc ici la question. Kyo wa nannichi desu ka? Kyo wa nannichi desu ka? C'est à vous de jouer les gens. Bien joué Black Moon, 20 sur 20, l'anticipation. Bon, anticipation, mais il n'y a pas les lectures, mais c'est bien. Là, c'est limite un peu de la triche, mais c'est bien. Maïe, je te jure. Donc aujourd'hui, on est quel jour? Kyo wa nannichi desu ka? C'est la question, je le répète, que je vous poserai à chaque début de stream. Et la réponse, je le répète encore une fois, en japonais, c'est inversé. Nous, on dit le 1er janvier, eux, ils disent janvier 1er. C'est comme en anglais, on commence par l'année, puis le mois, puis les jours. Donc faites attention quand vous dites la date. Il faut tout inverser. Je suis un la amen en même temps, désolé pour la présence fantôme. Super, ce cours, merci. Ah, bah écoute, j'espère que tes ramen seront bonnes, Lourmi. N'hésite pas à mettre une petite photo sur notre serveur Discord, transition parfaite de la part de la joueuse française, pour nous faire saliver, soit des temps passants. Moi, j'avais des melons de pain aujourd'hui, j'en ai goûté un, ils sont trop bons. Voilà. Ça va? Ore no kaasan no tanjoubi. Ah, ashita ka. あ、そうか。じゃあ、ちょっと早いけど、お誕生日おめでとうね。おめでとうね。T'inquiète pas, Black Moon. On va le réviser aujourd'hui. Et donc, on va commencer par le plus simple, à savoir les mois. Les mois en japonais, c'est premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, jusqu'au 12e mois. D'accord? Donc, si vous savez compter jusqu'à 12, eh bien, c'est plutôt simple de retenir les mois. Ichi, ça veut dire 1. Et Gatsu, c'est ce que vous allez utiliser. Oh non, il y a une faute. C'est Nigatsu, hein, bien évidemment. Oh, et là, il n'y a pas. Ah bon, bah, j'ai pas relu cette partie-là. Vous m'excusez. Je ferai les modifs pour ceux qui sont abonnés. Et je m'excuse pour ceux qui ne le sont pas. Ah, bah, t'inquiète, Calinours, j'en fais quasi toutes les semaines maintenant, donc je la connais par cœur. Moi, ouais, je sais, j'ai oublié Sumimasen. Donc, ichi gatsu, janvier. Ni gatsu, février. San gatsu, mars. Et là, il faut faire attention. Alors, ceux qui étudient les kanji, ben, normalement, ça ne vous pose pas trop de problèmes. Hein. Mais le 4 a une autre lecture que yon, c'est la lecture shi, qui va s'utiliser ici. Et donc, donner shigatsu, le mois d'avril. Ensuite, c'est normal. Gogatsu, c'est mai. Rokugatsu, juin. Et encore une fois, il faut faire attention. Pour 7, on ne dira pas nana, mais on dira shichi. Shichigatsu, pour le mois de juillet. Ensuite, on a hachigatsu, le mois d'août. Kugatsu, encore une fois, petite lecture spéciale. On ne dira pas kyu, mais bien kugatsu. Et ensuite, c'est régulier. Jugatsu, juichigatsu et junigatsu. Tu fais des meules en panne toutes les semaines et tu m'invites pas? Nani? Attendez, c'est le moment, c'était le moment, c'était le moment, il est où? Mais, Nani, Nani Collet. Bah viens. Let's go. Je vous les montrerai à la fin du live, je suis fière de moi, ils sont gros, ils sont beaux, magnifiques. Alors, Sorsal 4, en effet, hein, la lecture chi est souvent connotée à ce côté mort, hein, malheureusement. Mais ici, on est sur du vocabulaire qui a une lecture spéciale, tout simplement. On va pas... Voilà, d'accord. Calinours. Ah bah, go venir à la maison, hein, si vous voulez des melons de pain. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Donc, ici, si vous savez compter jusque 12, vous mettez votre chiffre plus gatsu, vous obtenez le mois. Et il faut juste faire attention au quatrième mois, à savoir avril qui se dira shigatsu, à juillet qui se dira shichigatsu, et à septembre qui se dira kugatsu. D'accord? Et si vous avez retenu ça, alors les mois, assez facilement, vous les avez retenus. Normalement, c'est pas ce qui va vous poser le plus problème dans la date. Hein. C'est ce qu'on va voir là maintenant. C'est les jours calendaires. Du premier jour du mois au 31e jour du mois. Cela, en général, ça pose un peu plus problème. Parce qu'il y a plus d'irrégularités, hein, tout simplement. Ah, ok Saïma, bah écoute, repose-toi bien. Repos bien mérité, si j'ai bien compris. Et puis, bah, au plaisir de te revoir demain. Otsukaresama desu. Ah, vous habitez tellement loin. Un jour, je viendrai dans vos pays, peut-être. Peut-être. Il est trop chou, ce petit chat. Donc, les fameux jours calendaires. Vous voyez qu'il y a un peu plus de attention. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais retirer ceci. Sinon, on va pas bien voir. Voilà. Alors, j'avais pas assez de place pour mettre 30, 29, 30, 31. mais parce que la logique est la même, hein, dans tous les cas, ça ne va pas trop vous déranger. Ici, malheureusement, à part les apprendre par cœur, vous n'avez pas d'autre solution. Il y a certaines choses qui sont logiques, mais déjà, vous voyez que les 10 premiers sont irréguliers. Donc, il faut les apprendre par cœur. Ces lectures-là, vous pourrez certaines en revoir dans d'autres compteurs, mais partez du principe qu'il faut les apprendre par cœur. Ce qui nous donne Tsuitachi, Futsuka, Mika, on a un petit tsu, hein, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, avec un allongement, Kokonoka et Toka. Ces 10-là, c'est 10 bœufs dans votre tête jusqu'à ce que ça rentre, d'accord? Donc n'hésitez pas régulièrement à travailler les jours de la semaine. C'est qu'en le faisant un petit peu tous les jours que vous allez naturellement réussir à les retenir. Pour la suite, le kanji du jour, hein, il se lit Nichi. Et quand on veut dire le 11e jour, là tout de suite ça devient un peu plus simple, et bien il faut juste dire 11 plus Nichi, ce qui nous donne Juichi Nichi. Ce sera la même chose pour le 12e jour, Juni Nichi, puis Jusan Nichi. Et pour le 14, il est irrégulier, mais en réalité c'est plutôt logique. On va utiliser le 4 que l'on a vu au début, hein, ça va Yoka, et on va rajouter 10 devant, ce qui nous donnera du Yoka, le 14e jour, du Yoka. Pour 15, c'est régulier, du Gonichi, puis du Lokunichi. Et pour 7, vous allez commencer à comprendre, hein, qu'il y a certains chiffres qui sont souvent irréguliers. Pour 7, on dira du Shichinichi. C'est la même lecture que pour les mois, du Shichinichi. Ensuite, on a du Hachinichi, du Kunichi. Encore une fois, c'est la même lecture que pour les mois. Et là, on a un hyper méga irrégulier, hein, c'est le 20e jour, qui se dira Hatsuka. Puis on continue, Nijuichi Nichi, Nijuni Nichi, Nijusan Nichi, rebelote avec le 4, Nijuyoka, Nijugo Nichi, Nijuroku Nichi, Nijushichi Nichi, encore une fois, ni du Hachinichi, et là je continue même si vous n'avez pas de traces visuelles, hein. Pour 9, il ne faut pas oublier, ni du Kunichi, puis Sanju Nichi, Sanju Ichinichi. Malheureusement, Zazu, on ne peut pas. En fait, Ichinichi, ça veut dire un jour, mais ça ne veut pas dire le premier jour du mois, c'est différent. La lecture existe, mais le sens est différent. Et donc si tu veux dire le 1er janvier, tu es obligé de dire Ichigatsu Tsuitachi. Ichigatsu Tsuitachi. Alors, on va faire un petit exercice avec le visuel sous les yeux, hein. Comment vous me diriez le 2 février, justement? Comment, avec les lectures en hiragana, s'il vous plaît. Le 2 février. Qu'est-ce que ça serait en japonais? Le 2 février. Et là, faites attention, hein. C'est Nigatsu. Il y a une erreur ici. Nigatsu. Juste ici. Nigatsu. Comment vous me diriez le 2 février? Ici, donc je répète, Nigatsu, Nigatsu, et pour le deuxième jour, Futsuka, Futsuka, Nigatsu, Futsuka. On en fait un autre, comment vous me diriez le 7 juillet? Le 7 juillet. Alors Black Moon, généralement, on les verra plutôt en chiffres arabes, mais l'inverse existe en fonction de l'écrit, hein. Tout va dépendre si c'est un article scientifique, si c'est un blog, si c'est un manuel ou ce genre de choses. Il y a des standards à respecter, mais de manière générale, on verra ça en chiffres. Donc comment vous me diriez le 7 juillet? Très bien tout le monde. Ici, juillet c'est Shichigatsu et le 7 du mois c'est Nanoka. D'accord, Nanoka. Alors, j'avais prévu des exercices, mais comme vous ne les avez pas retenus, je suis en train de me dire que ce n'est pas très utile et que l'on va reporter l'exercice au début du live de la semaine prochaine. D'accord? Là, tant que vous ne les avez pas appris, bah, ça ne sert pas à grand chose malheureusement. Donc, on va plutôt passer à la partie kanji. Alors, je ne sais pas exactement où c'est. Voilà. Et je vous mettrai cette partie exercice la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez le temps de commencer à apprendre les dates. Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous au niveau de l'explication. Et si on peut commencer les kanji. Daijoubu desu ka? Est-ce que ça va? Personne n'est mort, personne n'est perdu. Du coup, en fonction de ton contexte, Black Moon, il n'y aura pas de possibilité de confondre, normalement. Bon, ça a l'air d'être ok. Du coup, dernière partie, les fameux kanji. Alors, aujourd'hui, on va voir le kanji de la semaine, le kanji de maintenant, le kanji d'avant et le kanji pour apprendre et l'école. Alors pour 30, ça se dira Sanju Nichi. C'est 30 plus Nichi. Sanju Nichi. Et pour 31, Sanju Ichi Nichi. C'est régulier. Est mort mais se relève en zombie pour la fin du cours. Zombie-kun, ikite kudasai. Donc, c'est le moment pour ceux qui sont abonnés de prendre la petite feuille que j'ai envoyée en début de journée, je crois, en matinée cette fois-ci, pour pratiquer un petit peu. Comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, les kanji, malheureusement, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, à part vous donner du vocabulaire, vous donner des précisions peut-être, mais le plus gros du boulot se fait chez vous, en travaillant l'écriture et en travaillant la lecture à travers les mots de vocabulaire. Donc si vous avez des questions pendant votre apprentissage, n'hésitez pas à les poser sur le serveur Discord notamment, ou si vous en avez dès maintenant, à profiter du live pour les poser, d'accord ? On va commencer avec le premier kanji, avec un petit peu de traits, mais en réalité, vous pouvez vite vous l'assimiler hein, en décortiquant un petit peu le kanji. Donc ce kanji, il est utilisé pour signifier la semaine. Et il a une seule lecture, c'est la lecture shu. On le trouve notamment dans des mots qu'on a travaillés aujourd'hui, hein, senshu, la semaine dernière, kanshu, cette semaine, ou encore raishu, la semaine prochaine. Ici, au niveau du tracé, hein, vous commencez par l'habitacle, hein, on va dire. Puis vous mettez le kanji de la terre, le kanji de la bouche. Et vous finissez avec la petite clé ici, qui se fait en 3 traits. Je vous laisse une trentaine de secondes. Pour ceux qui aiment bien prendre des notes, une petite minute même. Tracer le kanji aussi, c'est un peu le moment de pratiquer si vous le souhaitez. Eh bien écoute, bon appétit Mayu, merci d'avoir joué ton rôle à la perfection comme d'habitude. Et puis bah, des bisous et bon appétit. Donc shu, hein, la semaine, comme dans les mots senshu, konshu ou raishu. Senshu, konshu, raishu. Le kanji suivant. C'est le kanji de maintenant. Ça pareil, on l'a déjà vu pas mal de fois hein, à travers les phrases exemples. Il a plusieurs lectures. Quand il est tout seul, vous allez le lire ima. Et ima, ça veut dire maintenant. Par exemple, on a vu une phrase hein, tout à l'heure. Ima wa nanji desu ka? Il est quelle heure maintenant? Ima wa nanji desu ka? Pour les lectures on, en a plusieurs, notamment kon, qui sera la plus utilisée, hein, et parfois kin. Putain. Mais je vais baisser cette alarme parce que ça fait 2 fois que je sursaute. Merci, Ghosto. Merci beaucoup. Ça va le boulot? T'as pas encore... T'es pas censé travailler, toi, dis donc. Les gens, je veux des clap, clap, clap dans le chat. Des clap, clap, clap pour fantôme. Ouh. Les voisins iront râler. Kiki-san, Pokémon est partout. Partout. Partout, partout, partout. Alors, attends. Moi aussi, je vais mettre mes clap, clap, clap. Merci, Ghosto. Bien est un bien grand mot. Le boulot, tu parles? Je n'ai pas compris. Donc ici, niveau vocabulaire, konchu, hein, cette semaine, kongetsu, ce mois-ci, et on a kotoshi, lecture spéciale, hein, kotoshi, cette année. Et on a une lecture spéciale également pour kyo, qui veut dire aujourd'hui. Et on l'a vu dans la question, hein. Kyo wa nannichi desu ka? Aujourd'hui, on est quel jour? Pourquoi Ghosto? J'ai décongelé des steaks. Pour ceux qui s'intéressent à notre vie, on va manger des steaks ce soir. Un prochain éclair dans ta face, MDR. Donc ici, le kanji est composé de 4 traits, donc plutôt facile à tracer, je pense. Donc je répète, ima, maintenant, konshu, cette semaine, kongetsu, ce mois-ci, kotoshi, cette année, et kyo, aujourd'hui. Et non, moi j'oublie pas, moi, je suis pas n'importe qui. Avec la magnifique interruption de Ghosto et son magnifique sub, on passe à la suite. Alors, ce kanji-là, c'est le kanji qui veut dire avant, devant, précédemment, tout ce genre de choses. Tout seul, il se lira saki, comme par exemple dans le mot sakini, hein, avant, ou mazu, qui veut dire d'abord. Ah, merci à toi, Zazu, merci pour ta participation et bien joué, tu as fait du très bon travail, sache-le. Tu vas y arriver, on croit tous en toi. Labou labou Zazu-san, labou labou. À la prochaine et bonne soirée. Donc sakini avant ou mazu d'abord. Et en lecture on, il va se lire sen, et là on a déjà vu pas mal de mots, hein, notamment aujourd'hui. Senjitsu, c'est un des mots pour dire hier, senjitsu. Senshu, la semaine dernière. Sengetsu, le mois dernier. Et sennen aussi qui existe, qui veut dire autrefois. Et en effet, Lily et Black Moon, très bonne réflexion, il est également dans sensei. C'est le sen de sensei. Mais comme on n'a pas encore vu le sei, et ben, je vous le mettrai plus tard. Je vais devoir y aller aussi. Bonne soirée à tous et merci pour ce live. Mais écoute, merci à toi. De toute façon, on a bientôt fini. Pour ceux qui me le peuvent encore, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Il nous reste un petit 5 minutes pour qu'on puisse aller raid quelqu'un que l'on connaît pas. En tout cas, merci à tous ceux qui doivent aller manger, bien évidemment, et qui ont participé au cours d'aujourd'hui. Et donc, avant-dernier kanji, le kanji de l'étude des sciences. En lecture kun, eh ben, il s'agit d'un verbe. C'est le verbe manabu. Manabu qui veut dire étudier, par exemple, Nihongo manabimasu. J'étudie le japonais. Nihongo manabimasu. Et il a également une lecture on, c'est la lecture gaku, que l'on va notamment retrouver en partie dans le mot gakko, hein, l'école, gakko, et gakusei, le fameux gakusei, qu'on a vu aussi avant. Alors, l'année dernière, Black Moon, ce sera Kyonen. C'est... je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Kyonen. Kyonen. Et là, il y a le fameux Sei de Sensei. So desu ne. So, so, so. Donc, Gakko et Gakusei. Gakusei. Il me semble pas qu'on l'ait encore vu, hein, le kanji de Sei. Hein. Je pense pas. Quoi qu'il en soit, en effet, hein, il est aussi dans le Sensei. Bah non, parce que on étudie à l'école, justement. On étudie à l'école. Et donc forcément, c'est l'endroit où on étudie, c'est l'école. Après, il faut pas... c'est pas toujours intelligent, hein, ce qu'ils font les Japonais. Pas toujours, pas toujours. Souvent, mais pas toujours. On enchaîne sur le dernier kanji. Là, bon, on a déjà vu plus ou moins le mot, hein, c'est le ko, qui n'a qu'une lecture en, hein, qui a souvent pour sens l'école, de manière globale. On le retrouve donc dans le mot gakko, hein, et je vous ai mis du coup le mot kocho, qui veut dire directeur. Voilà. Kocho, cho c'est nagai, hein, mais on l'a pas encore vu en kanji, donc vous inquiétez pas pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est souvent représentatif de quelqu'un qui est hiérarchiquement plus important, ce cho là. Benkyo, alors benkyo suru c'est étudier et manabu c'est étudier aussi. Ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes. Merci beaucoup Sinme et Luca pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Es-tu un être humain ou es-tu un robot? Dis-le nous dans le chat. Et avec tout ça, on arrive à la fin de ce grand cours de reprise quand même. Hein. 1h40 de live. 1h30 de cours, c'est pas mal pour une reprise. Bien, bien, et toi, bah écoute, ça va très bien. C'est un humain. Un humain est parmi nous. Comment as-tu trouvé la chaîne? Dis-nous. Une humaine, même. Une humaine. Je vais dire ça à chaque fois maintenant. Ah, grâce à Instagram. Comme quoi, les stories, elles marchent. Les gens, des fois, ils me disent « Ah, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Ma soeur, ça sert à quelque chose. » Des fois, genre, ce DMP, je fais « Ça sert à rien. » Et je suis là en mode « Mais, taisez-vous. » Bah si, on est d'accord. Voilà. S'il met, eh ben, c'est la preuve vivante. Bon, du coup, les gens, est-ce que vous avez des questions par hasard sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Du coup, malheureusement, Silmé, tu arrives à la fin de ce cours, mais ce n'est que partie remise. Parfaite transition pour vous dire que maintenant, je donne cours sur Twitch tous les lundis, mercredis et jeudis à 18h30. Toutes les semaines, sauf vacances. Et pour l'instant, je ne serai pas en vacances avant longtemps. Donc, lundi, mercredi et jeudi à 18h30. Pour niveau débutant, le lundi, on va retravailler les kanas. Le mercredi, c'est le cours de grammaire et de vocabulaire, et un peu de kanji. Et le mercredi, on fait de la compréhension, soit de l'oral, soit écrite. Bon, du coup, ça veut dire qu'on arrive à la fin du live, et du coup, qu'on va à l'irée de quelqu'un. Est-ce que vous avez des recommandations? Dites-moi, mes chers Mochinobi. Est-ce que vous avez des gens à recommander? Des personnes que vous aimez bien, qui sont sympathiques? Pas forcément lié aux japonais, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire, qui ont une petite communauté ou une moyenne communauté, et vous vous dites « Ah, mais eux, vous allez voir, c'est cool, vous allez vous amuser !» Encore un cours au top, maintenant je vais terminer mon chapitre de Kimetsu no Yaiba. Oh, arigato pour le compliment déjà, et bon courage pour ta lecture du coup. N'hésitez pas à rester pour le raid, ça fait toujours plaisir de voir un petit groupe quand même qui vont sur les autres chaînes, juste pour dire de faire le petit raid. Alors, qu'est-ce que j'ai de mon côté? Est-ce que vous avez des recommandations? Ah, je crois que tu me l'avais déjà recommandé. On va aller regarder. On va aller regarder ça. Je pense que ce qu'on va faire... hein. Hop. Alors, je vais attendre que la pub s'en aille. Allez, on va aller raid cette chère Julie Stream. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette reprise des cours de grammaire. J'espère que ce petit cours vous aura plu. La semaine prochaine, on fait un nouveau cours de grammaire. On se revoit, j'espère, demain à 18h30 pour un cours d'expression, de compréhension de l'écrit. Je cherche toujours 2 volontaires pour venir lire et traduire à l'oral. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous de votre participation. Vous avez très bien travaillé. Soyez fiers de vous, de faire du japonais. C'est une magnifique langue, n'est-ce pas? Et on se laisse sur notre musique habituelle de Otsukare-sama. Vous avez très bien travaillé. Sama deshita. Bye bye tout le monde.